La guerre fut terminée, chacun de nous eut l'espérance qu'on allait pouvoir s'embarquer à destination de la France. En tapant une partie de manille, chacun faisait part de sa joie d'aller retrouver sa famille quittée depuis de longs mois. Qu'on venait le soir en baissant l'espoir avec ivresse d'aller embrasser ses vieux à moitié sa détresse. On ne se doutait pas qu'en France de l'avant nos députés avaient décidé de nous envoyer en Russie. L'autre jour en allant au rapport qui a lieu à bord du Mirabeau, on sut par tout l'état-major que l'on partait pour Sébaston. Chacun de nous perdit courage, on disait qu'on ne partirait pas, on serrait les poings avec rage, sans plus de peu qu'on ne se révolta. Qu'on venait le soir, ce n'est plus l'espoir, non plus l'ivresse qui gonfle nos cœurs, la soupe de bonheur, d'allégresse. C'était les murmures et puis les injures, les cris de rage pour nos députés, toute une bande assoiffée de carnage. Car les vrais poilus, ceux qu'on combattu pendant la guerre, sont bien décidés à ne pas s'entretuer entre frères, prenant notre mal en patience jusqu'au jour de la libération. Copains souffrant tous en silence, nous serons bientôt à la maison. Il y avait des marrons, nous en rapportons, faites pas la gueule. Comme nous sommes honnêtes, nous voulons vous les remettre sur la gueule. Comme nous sommes honnêtes, nous voulons vous les remettre sur la gueule.